Chaque premier jour de rassemblement, c'est vrai que l'entraînement est très individualisé. Il y a d'une part ceux qui ont joué la veille ou l'avant-veille, qui sont en récupération, d'autres qui sont en soins, et puis d'autres, ça peut être 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, qui ont peu joué la veille ou l'avant-veille, ou pas joué du tout, ce qui est le cas par exemple d'Antoine Griezmann pour aujourd'hui. Son match a été reporté, c'est le cas de Benjamin Pavard qui n'a pas joué avec l'Inter de Milan, qui vient d'arriver dans son nouveau club. Voilà, ajouté Olivier Giroud qui a joué 70 minutes, mais c'était vendredi. Et puis Théo Hernandez qui a joué aussi le match en dîme, mais c'était vendredi dernier. Donc ces joueurs-là ont un travail supplémentaire, travail à base de technique, à base de travail au poste, pendant que les autres vont faire leur oxygénation, vont faire un petit travail aérobie ou vont faire un travail en salle de musculation, et tout cela pour permettre à l'ensemble du groupe d'être fin prêt pour l'entraînement du mardi. Qui ont joué hier ou avant-hier, voilà, histoire de se remettre en route tranquillement, petit footing, petits assouplissements. Demain ça sera autre chose ? Ouais, demain ça va être un peu moins léger, on va dire, même si on sera J+2, donc bon, ça sera toujours on va dire un peu à la carte, mais bon, on va se préparer un peu plus. Tout va bien pour toi ? Tout va bien, très content d'être là comme toujours, en retrouver les copains et puis voilà, bien préparer le prochain match qui arrive et qui va être très important. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi.